il n'y aura pas de poursuite du Daily Mail. Le prince Harry a renoncé à poursuivre le tabloïd britannique The Mail on Sunday. Il avait attaqué le média à la suite d'un article relatif à sa protection policière lorsqu'il se rend au Royaume-Uni. Selon le prince, l'article de février 2022 l'accusait à tort d'avoir menti et d'avoir essayé de garder secret son recours contre le gouvernement pour essayer d'obtenir une protection policière lors de ses visites au Royaume-Uni. Harry avait donc déposé une requête qui lui aurait permis de régler cette affaire sans passer par un procès. Mais la justice l'a rejeté en fin d'année 2023. Le duc de Sussex devait donc se rendre devant la justice, mais au lieu de cela, Harry a jeté l'éponge et ses avocats ont informé la haute cour à 10h du matin qu'il abandonnait l'affaire, est-il écrit dans les colonnes d'un autre tabloïd du même groupe, le Daily Mail. Comme il refuse ce procès, le prince Harry va devoir payer les frais d'avocat du Mail on Sunday, qui s'élèvent à 290 000 euros. S'ajoute à cette somme ses propres honoraires d'avocat, soit une facture totale de 874 000 euros, affirme le Daily Mail. Harry est concentré sur la sécurité de sa famille plutôt que sur des procédures juridiques, a réagi un de ses porte-parole. Fatigué d'être sans cesse poursuivi par les paparazzi, le duc de Sussex a engagé de nombreuses poursuites contre les médias People, comme le rappelle la. Le prince Harry a d'ailleurs gagné un de ses procès contre les tabloïds anglais en décembre dernier. Il les accusait d'avoir utilisé des méthodes illégales pour exposer sa vie privée. La haute cour de Londres a ainsi condamné l'éditeur du quotidien Daily Mirror à verser 163 745 euros de dommages et intérêts au prince. Harry et Meghan Markle, les 100 moments marquants de leurs 5 ans de mariage, de procédures qui ne finissent pas depuis qu'Harry et son épouse, Meghan Markle, ont quitté la famille royale et se sont installés aux États-Unis, ils ne peuvent plus profiter d'une protection policière aux frais du contribuable britannique. Le prince Harry doit donc payer de sa poche une protection privée. C'est pourquoi il avait demandé à pouvoir bénéficier d'une protection policière, en payant avec ses fonds personnels, lorsqu'il se trouve au Royaume-Uni, mais cette demande a été rejetée par la justice en mai 2023. Le duc de Sussex a donc engagé une procédure dans laquelle il conteste l'arrêt de la prise en charge systématique de sa sécurité lorsqu'il est au Royaume-Uni. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, Backgrid USA.